compatriotes, d'avoir fait tout ce chemin pour répondre à l'appel de la République. C'est pour vous que je suis ici, et c'est grâce à vous que j'ai pu venir. Si nous pouvons profiter de nos privilèges, c'est parce que vous prenez les grands risques et êtes prêts au plus noble des sacrifices. Grâce à vous et aux soldats de première classe, Jeremy Watson, le Nevada et la République de Nouvelle-Californie jouissent de la liberté et de la sécurité. Né dans une baraque en tôle à bord de One Pine, Jeremy Watson n'a jamais eu la vie facile. Son père était caravanier sur la petite boucle, et sa mère, comme de nombreux Californiens, a bravé les ruines du vieux monde en tant que prospectrice. Ils ont souffert des pénuries d'eau, des attaques de raiders et de la guerre de la confrérie. Comme notre fière Sierra Nevada, ils ont tenu. Mais le moment est venu où ils ne pouvaient plus supporter seuls ce fardeau. Il y a 2 ans, ils ont appelé à l'aide. Et la République les a entendus. Des soldats et des rangers semblables à vous ont répondu à l'appel. Des hommes et des femmes se sont avancés et ont dit « Je porterai ma part à fardeau ». Et au lac Owen, nous avons tenu seuls les ingénieurs, en chassant les plus de raiders et en établissant le plus préparable dans l'est de la Sierra Nevada. Nous avons porté le fardeau. Et si nous avons perdu de nombreux frères et sœurs sur ce champ de bataille, il ne nous a pas brisés. Il y a 10 ans, le chef des pays a rencontré des membres de Desert Rangers pour ébaucher ce qui allait devenir le traité d'unification des Rangers. Pardon. Ce traité consistait essentiellement à accueillir les Desert Rangers au sein de la République. C'était une convention visant à protéger le sud du Nevada de la Légion et du régime tyrannique de César. Certains vous ne devriez pas être... Parfois, mais qui protégeons-nous? Ça devait commander... Le Nevada pour nous. Nous oublions parfois que l'éclat de notre société brille au-delà de nos frontières. Nous considérons parfois comme un dû les privilèges qui ont exigé tant d'efforts à notre pays même. Nous devons toujours nous rappeler une chose. Où qu'ils aillent... Ça me tire. J'ai pas le temps de discuter, là. Tant que je serai en poste, il arrivera rien. Mon président. Pas maintenant. Pas maintenant.
Oh oh. Une autre victoire pour moi. Ça plaît ? Ça plaît ?